Tiens, Justine, regarde. J'ai deux pièces. Un tour de magie avec deux pièces, ça fait longtemps qu'on ne l'ait pas fait. J'ai un demi-dollar et j'ai un penny. C'est une pièce anglaise, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que je vais t'expliquer le tour. C'est-à-dire que je vais t'expliquer ce que je vais faire. Par exemple, toi, là, je vais prendre une pièce et je vais la mettre dans ma poche, d'accord? Ce qui fait qu'avec un geste magique, la pièce est revenue. Alors, c'est dangereux pour un magicien de dire ce qui va se passer parce que fatalement, quand je vais faire ça maintenant pour celle-ci, tu vas bien regarder mes mains, fatalement, et tu vas dire, bah tiens, elle est quand même revenue et j'ai pas vu. Donc, toi, je prends un risque, mine de rien, en faisant ça. Tiens, d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que là, je vais mettre la pièce ici, d'accord? Et je vais mettre le demi-dollar dans ma poche, ok? Donc, fatalement, ici, j'ai gardé quoi? Mes pennies. Oui, mais pas seulement, j'ai aussi le demi-dollar, d'accord? Là, ce que je vais faire, Justine, c'est que je vais prendre sur les deux pièces, je vais en prendre une, d'accord? Tu voudrais que je prenne laquelle? Ou que tu voudrais, laquelle pièce tu préfères? Le penny. Le penny? Alors, regarde, j'ai pris le penny, ok? Que je vais me mettre dans ma poche, comme d'habitude. Et en fait, d'après toi, il me reste quoi dans la main? Un demi-dollar? Eh ben non! C'était Hoping Wells, version 2.